Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où Manchester United aurait une nouvelle cible pour cet été. Selon le Mirror Sport, José Mourinho serait fou d'Anderson Talisca. Le milieu de terrain brésilien prêté cette saison à Beşiktaş par Benfica serait devenu la cible numéro 1 du Special One. Le club portugais demanderait 17 millions d'euros pour le lâcher. Dans le même temps, Mourinho, selon le Daily Star, ne lâche toujours pas Alvaro Morata. Le technicien portugais fait le forcing auprès du Real pour le récupérer. Mais le coach de Manchester United s'est aussi positionné sur le dossier David De Gea. Il aurait donné comme consigne à ses dirigeants de ne pas négocier avec le Real pour le portier espagnol, à moins de 115 millions d'euros. En Espagne et dans la presse catalane, il n'y en a plus que pour Marco Verratti. Et Sport de titrer, il a dit oui pour confirmer la rumeur amenant l'international italien au FC Barcelone. Selon le quotidien espagnol, le milieu du PSG aurait fait part à Javier Bordaz, le responsable de l'équipe première du Barça, de ses envies de venir en Catalogne. Pas sûr que le Paris Saint-Germain apprécie. Toujours en Espagne, mais du côté du Real Madrid maintenant, on s'intéresse à Gianluigi Donnarumma. Le gardien du Milan AC a indiqué hier à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club lombard. Une aubaine pour le Real Madrid qui s'est immédiatement penché sur le dossier. À ce titre ce matin, Donnarumma se rapproche de Madrid, mais précise que le portier italien pourrait rester une saison de plus en Lombardie et arriverait de ce fait gratuitement dans la capitale espagnole en 2018-2019. Le quotidien italien Tutto Sport, lui, avance d'autres pistes. Outre le Real Madrid, la Juventus, le PSG et l'Inter Milan seraient sur les rangs pour accueillir le jeune prodige. Et Tutto Sport de s'interroger, qui fera la plus grosse offre? Chez le voisin portugais, on s'intéresse encore au cas de Cristiano Ronaldo. Et Abola croit savoir que la star du Real Madrid souhaiterait quitter l'Espagne après que le fisc espagnol l'a soupçonné de fraude fiscale cette semaine. Selon le quotidien portugais, c'est une décision irréversible et que CR7 a formulée au président du Real Madrid, Florentino Pérez. Alors est-ce que le portugais va passer à l'acte dans les prochaines semaines? Affaire à suivre. Toujours au Portugal, le Sporting Lisbonne s'apprête à accueillir le défenseur de l'OM, Doria. Le journal Record l'affirme, le Brésilien portera bien les couleurs du club de Lisbonne la saison prochaine. Les deux parties se seraient en effet mis d'accord. Désormais, les dirigeants portugais négocient avec l'OM pour un transfert de l'ordre de 5,5 millions d'euros. Enfin, on termine en Italie où bien entendu Gianluigi Donnarumma fait la une ce matin. Mais la Gazzetta dello Sport évoque aussi le cas de Blaise Matuidi. Le milieu de terrain du PSG serait en effet une des cibles prioritaires de l'Inter Milan. Une rencontre devrait même avoir lieu entre les deux parties dans les prochains jours selon le média italien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée, bon week-end et rendez-vous dès lundi sur Foot Mercato pour une nouvelle revue de presse.